C'est bon. Ah, c'est bon. Bon, je vais chercher l'1 kilo. T'as assez de flèches ou pas? Ou je les récupère à 10, c'est largement suffisant. Pour un 1 kilo, ouais. Ouais, la dernière fois, on en a... Bah, c'est... s'il est level 1, oui, c'est largement suffisant. Non, il est level 8. Bon, on va le tenter, c'est pas grave. Je vais en crafter un petit peu plus. Je peux en crafter 9 de plus, là. Je l'ai aggro, je le rapproche. Aggro. Tu me rappelleras de te donner ta truc en pique. Barrez-vous. Ta pique en fer. Ouais. Le loot bleu is coming. J'irai le... Bah t'es où là? Ah bah je te ramène. Je suis à côté du dédé curieux. T'arrives toi? Bah je suis là mais en fait je me bats en même temps avec des fourmis que j'arrive pas à tuer. Ah ok. Mais sinon l'ankylo me suit pour l'instant donc Bon bah je vais l'aggro alors. Non putain! Je l'ai aggro en lui donnant une baie, fais chier. Mais c'est ça qui est chaud avec eux. Ah c'est très pénible les grands singes. Ah, c'est lui là qui est là? Ouais. Bon, ça, j'ai pas perdu beaucoup. Vous avez endormi 1 kilo du coup? Ouais, à l'instant. Ah, c'est pas bon. Je vous laisse lui donner des baies, je vais récupérer le loot. Bon, j'en ai pas, mais on peut en cueillir. Bon, il doit y en avoir plein dans le manteau encore. Bon, l'encadrement de porte en métal, le blueprint. C'est pas comme si on en aurait une grande utilité, mais bon, je prends quand même. Fais gaffe, Ben, il y a le grand singe à côté de toi hein, quand même. Ah oui, putain. J'aime bien quand on m'appelle quand c'est bon pour le DD curieux. Oui, il y a un peu de temps, c'est long, on est des curieux. Heureusement qu'il est que level 1, quoi. Ouais. Attention, parce que du coup, j'ai ramené le singe pas loin, donc regardez où vous mettez les pieds. J'ai mis tout le monde en passif. Hein. Faudrait peut-être surveiller, mettre le bronto de notre côté, parce que s'il se fait attaquer par un dilo, on le saura même pas. Bonne idée. Follow me! Du coup, je veux bien récupérer ma pique. Ouais. T'en bouges pas. Ouais. Tiens. Merci. T'as une torche aussi? Ça, c'est bon, j'ai. Okay. Je vais au moins pouvoir me défendre maintenant contre les fourmis. On va limite ramener plus d'animaux que de. C'est ça. Qu'il y en a déjà dans notre parc. Et pourtant, il y en a plein. Hein. Alors, je vérifie juste quand même le temps qu'il faut pour tamer un Dodé Curious. C'est long, très long. Level 1, t'as dit? Ouais. 42 minutes. Ça va. En timing x3, hein, encore une fois. Bah, ouais, c'est pour ça, t'imagines les level 1 en temps normal? Bah, c'est 2h40. Bah, voilà. Comme c'est beaucoup de bêtes, fait. En fait, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, quand je regarde, les stégos c'est 2h40, les paracers c'est 2h40, enfin bref, c'est. Ce jeu est une folie. Ce jeu est un 2h40. Et pour les petites connexions, ils se téléchargent en 2h40, certainement aussi. Ouais, bon, l'ankylo est à 10%. Ouais, ça ira plus vite pour l'ankylo. Ok. On te regarde. Tu sens pas notre souffle dans ton dos. Tu te sens pas épié. Putain, il a pas faim ce PD. On est vraiment tous les deux à la queue leu-leu, quoi. Suitez pas.
Ah, c'est bon, il veut manger. Vous êtes Ok, prêts? ouais, on est Ouais. là. Ok, go. Ah, Bon, bah putain. voilà, c'était une de plus. Allez, reculons. Normalement, à la prochaine, c'est bon. Ouais, à la prochaine, c'est bon, je pense. Sauf si on n'a vraiment pas de peau, et dans ce cas-là, ça va être au poil de cul. Au final, tu y es quand même vraiment depuis une demi-heure. Hein. Tant que ça? J'ai l'impression, ouais. Non. Ah, si, quand même. Bah ouais, Ouais. enfin, ça fait longtemps quand même que je jongle avec ce connard. Ouais, je Surtout pensais que pas. j'ai dû recommencer de quasiment de zéro deux Oui. fois. Hein. J'ai l'impression qu'il tolère mieux, enfin, je sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais j'ai l'impression qu'il tolère mieux les approches quand c'est dans le dos. Oui. Ah oui. Il a moins envie de me taper. Fait, je sais pas quand il se nourrit de lui-même si Non, ça non, jauge du coup. c'est une animation. D'accord. Je pense que ça va être bon là. Non, toujours pas, putain, mais. Attention. Ah, c'est bon, il veut se nourrir. Ok. Vous Bon, êtes nous prêts? on est là. Hein. Vas-y. On est Ok. présent. Vas-y, go. Nice! Yes. Le gigantopithèque. Putain, ça, si c'est effectivement. Je pense que je vais être très heureux de ne pas avoir à refaire ce time. Parce que c'est tellement relou. Moi, je Ah déteste cette. putain, c'est mon premier dino de la dernière ligne. Nice! Putain, Ben, comment il te l'a chouré, quoi? Comment je vais l'appeler? Hop. C'est excellent, ça. Quand ça fait du dégât. Si tu veux n'avoir aucune imagination, tu l'appelles King Kong. Non. C'est pas assez vulgaire pour être moi. Peut-être filer quelques narcos, ça Non, va je pense que lui. c'est bon. C'est tellement ridicule. On dirait. Mais mec, en plus, avec la caméra de dos, ça fait vraiment papa et son enfant. C'est trop Tu me ça. racontes Oui. une histoire, comment on se fait jeter comme une merde? Clic droit. Tout simplement. C'est excellent! Attends, je vais essayer, j'en ai jamais eu aussi. Non, il veut pas de moi! Ah, c'est bon. C'est parce qu'il est en mode suivation. Putain, ça court vite, hein! Ah ouais, mais ça Ah, défonce j'ai même pas trop. essayé. Ouais, en fait, c'est un des meilleurs, Tu un peux des essayer de meilleurs buter ce truc? prédateurs. Attends, quel level il est? Deux. 3. Bon, le track level 2, il devrait Il bien fait des morfler, dégâts je de zone pense. et tout en plus, quoi. Il est vraiment trop bien. Au pire, j'ai ma lance, hein. Non, mais Ok, tu vas non, le c'est bon, tu défoncer le l'exploses. trike. Oui. Ok. Ah, par contre, il loot rien. Dédécurus, il a 80. Non, il ramasse de la fibre, lui, je crois. Wouah! Il est à 80% Dédécurus. Excellent! Du coup, il mange que des baies ou il mange aussi autre chose? Non, il mange des baies. Non, que des baies. Ok. Alors, attends, faisons un petit peu le tour des tames. Donc, un Bronto. Un Stego. Un Paracère. Un grand singe. Un grand singe. Un Dodecurus et un Ankylosaur. Je pense qu'on n'a pas chômé. Ah, moi c'est mort, je rentre à dos de grand singe. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon, l'Ankylosaur est tame, ça y est. On a toute la ménagerie qui est prête. Il va falloir qu'on ramène tout ça au parc. Donc c'est parti pour l'aventure. Attends, tu les fais te suivre peut-être ou Ouais, le mec se barre. ça peut être une très bonne idée. plutôt toi si tu passes Voilà, c'est de bon. premier. Normalement, tout le monde me suit. Non, le Bronto et Dédé Curieux derrière ils te suivent pas. Ah. Et Rap Game non plus. Un rap game, je le prends. Ok. Bah, du coup, fais en sorte qu'ils suivent le Bronto. Et je Pourquoi pas récupère faire le quelques jeu. avances? Je les prends, j'ai. Ouais, par contre, ils me suivent peut-être de trop près si jamais j'aggro d'une merde. Bah, vas-y, Ben, va faire la truc rapproché. Moi, En je me fait, suis. je n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qu'il a sur lui de si lourd? Ou c'est moi qui suis lourd? Ah, c'est possible, oui. Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. Attends, pause, Tom. Ok. Wait. Qu'est-ce que j'ai qui est lourd? Est-ce que t'as pas ta garde rapprochée, du coup? Ah, putain. Quoi, t'as J'ai des aggro quelque fourmis chose? sur moi.
Ah bah c'est. Ah ok, j'avais des spires, c'est ça. Putain, attends. Hop, on récupère les. On va les foutre dans le bronto. C'est bon, on peut y aller. Tu restes derrière toi, Kelma, ou je reste ouais, derrière? Ouais, bah vas-y, non, mais va. Je vais va, au corps à corps, moi. Ouais, ouvrir le chemin à Tom. De toute façon, moi, je serai juste derrière vous. T'as quoi? T'as le bronto et des curieux, toi, c'est ça? Ouais. Ok. C'est bon, Tom, tu peux avancer. C'est bon, je suis là, ouais. Ça marche. Ah bah, je suis coincé dans les animaux. Bien sûr. C'est les pteranodons qui me gênent. Ce que j'allais dire, je vais essayer de... Voilà. Bon, j'ai l'impression que droit devant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, non, là, ça va. Faudrait juste pas qu'on tombe sur un Alpha Raptor, en fait. On le défonce. En face, il y a un T-Rex. Mais limite, faudrait presque traverser là, si on peut. Bah, on si peut, non. S'il est pas trop haut level, lui, on traverse là. Je check. Level 2. Proche du pet de sa mère. Bah, traversons. Ah, il y a deux singes qui sont en train de faire du catch avec je ne sais quoi là, sur la place, dans la flotte, à votre droite. Ah, ouais. Ouais, ouais, je vois ça. Lucha libre. Merde, je suis con. Quoi? J'ai fait clic droit avec El Gigante. Du coup, je viens de me catapulter tout seul. Okay. Y'a pas de piranhania qui vous ont. Non. Si, mais ça moi va. Ça m'a pas piqué. En tout cas. Bon, j'attaque le T-Rex. Vas-y. Ça y est. Je me tape le paracer en même temps. Tant qu'à faire. Tant qu'à passer un niveau. J'ai pris un level moi aussi grâce à toi. Ah, mais c'est moi qui ai pris un level. Non, c'est Rap Game. Rap Game! Faut vraiment qu'elle nous laisse tranquille ces fourmis. Hein. Bon, du coup, on passe par là. Attends, je vais te. Ouais. Ah, attends. Faut juste que j'enlève. Des trucs. En fait, longe la plage. T'emmerdes pas. Ok, c'est bon, je suis passé avec les deux. Cool. Il était tellement lourd à cause de la viande qu'il bougeait plus. Ah putain, le T-Rex. Me fait attaquer par un scorpion. Quelqu'un peut me décoincer ce putain de pteranodon? Je veux bien qu'en fait les pteranodons te suivent autre chose ouais, que alors, le T-Rex attends. Parce que à chaque fois ils vont me bloquer. J'arrive. Je prends le second aussi. Putain, il veut pas me suivre le con. Très bien. Il a pris cher le stego un peu. Merci. Ah bon? Bah il y a du sang sur lui. Oh, relou. Tu peux tuer le dilo qui me suit. Je te laisse. Aussitôt dit, merci. Aussitôt fait. Il y a un spinosaur dans le ouais, lac ouais, à gauche. Ouais, bon, on va pas passer là justement. Il ouais. Y a stego danseuse qui est bloqué dans les cailloux. Oh non. Tu peux t'en occuper ou pas où je reviens? Il y a un raptor là qui arrive. Non, c'est bon, elle s'est débloquée, elle arrive. Le brontosaure suit ou comment ça va? Comment ça se passe? Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, allez. Ça va, ma petite troupe suit. Ah, attention, raptor. Ouais, un raptor, il attaque un petit singe. Le salaud. Ouais, mais il attaque aussi notre stego. En fait, le truc, c'est que le stego est une. Est une proie de choix pour les carnivores de la zone, je sais pas pourquoi. L'ankylo, ils le font pas chier, par contre, le stego, chaque fois, il lui pique le crâne, quoi. En même temps, l'ankylo, il est niveau 11, le stego, il est niveau 3. Voilà, ça doit être pour ça.
Vous êtes derrière, ouais, t'es derrière moi. Ouais, bon, par contre, ça suit lentement derrière. Ouais. Ouais, je surveille parce que. Ah, mec, attends 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, fais demi-tour, Tom, tu vas trop vite. Ah, il s'est bugué dans la montagne. Ouais, au fait, pour te rejoindre, du coup, ils veulent. Tu veux que je le prenne, le stego? Bon, là, je pense que t'aurais été emmerdé comme Ouais. moi, je pense. Ouais, c'est plus simple pour moi de faire demi-tour. C'est pas faux. Attends, je prends le stego. Ok, c'est bon, tout le monde suit. Oh, il y a même ces gogo danseuses qui Ah se oui, permettent une petite il y a pointe de deux vitesse. Spino en fait dans Et dans Slack. c'est pourquoi la musique du combat là? c'est moi, il y a un Dilo là au milieu là, j'arrive même pas à le voir mais. Bon. Bon, l'avantage c'est qu'on n'est pas trop loin de la maison. Non, c'est sûr. Ah, il y a un T-Rex droit devant moi. Niveau combien? Je sais pas. Ah putain, il y a plein de dilos qui m'attaquent. Besoin d'aide ou? Pour l'instant, ça va, mais j'ai plus trop de stamina avec le raptor. C'est bon? Ça devrait le faire. Je pense que tu as eu l'autre. C'est bon. Merci. Mais il est où le T-Rex? Je le vois pas. Il était à droite là. Ah Bon, putain, il y a Ankylo qui est en train de se faire attaquer par un raptor! Ah. ouais. Ah, il y a un deuxième raptor qui arrive vers T'es vous! où? T'es où? Je vois Ankylo, je vois pas les raptors. Il est sûr, quel Il est mal. sur moi le raptor. Tiens, bouffe! C'est vraiment un catcher au fait ce truc, hein. Grave. Attendez, bougez parce que là du coup on va être complètement bloqué tout le monde. Ah putain, je suis bloqué dans un petit rafichier. What? Ah putain, il y a un raptor qui est planqué ici. Ah la pute. Non, je l'avais pas vu, tu vois. Bon. Bon, c'est pas, en même temps, c'est pas trop grave. S'il y en avait un à perdre. C'est bon. Je viens de le croquer. Bon, j'ai perdu de vue le T-Rex par contre. Le Spino est toujours là, hein. En revanche. Je le vois pas. Je trouve ça tellement con qu'un T-Rex soit emmerdé par par des dinos qui sont plus petits que lui. Ouais. Du coup, on va par où là? Parce que je sais pas. Là où je suis sur un peu descendé, je sais pas si vous me voyez là. Vous êtes Vers le direction Spino? les Mais il y spinaux a en le fait Spino sur. qui est en train de nous foncer dessus là, au fait, Ouais, hein. bah écoute, je vais lui péter la gueule. Où Hein. ça? Il l'aura Ah cherché. oui, vous êtes aggro. Vous êtes déjà à moitié mort. Bon, Voilà! voilà. Au revoir! Il a pris un coup, il est mort. En même temps, il est. Ah, il y a une armée de dilos qui arrive si tu veux les croquer en un coup là sur la gauche. Ah oui. Qu'ils me fassent pas Bon, ils chier comme sont ça. intéressés par le cadavre plutôt, mais Peut-être, ouais. on va leur péter la gueule quand même. Ouais, vas-y. Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il y avait une vieille libellule qui attaquait le Ah. DD curieux. Bon allez, rentrons par là. Du coup, je suis un peu à la traîne, mais je vous suis, je suis pas loin derrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dilo. En plus, ils sont trop cons. En fait, ils essaient d'attaquer les Ptera, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Putain, mais lâche-moi, sale tortue, putain! J'ai bien monté de level avec Elrigante, hein. Ah ouais? Ah, ça doit vite monter, ouais. Bah là, je suis déjà Ah niveau putain, me 9. fais attaquer par un raptor. Bon, c'est J'arrive. level 7, c'est bon. Je suis déjà niveau 9 alors qu'il était niveau 3, quoi. J'ai gagné 6 niveaux depuis Ah le putain, par début de contre, map. alors si t'arrives à croquer vers les Ptera, il y a des fourmis qui les suivent.
J'en ai eu une pour l'instant. Ouais. C'est bon. Bien joué. Je vois toujours pas ce T-Rex. Il a dû se planquer dans la jungle. Laissons-le. C'est pourquoi la musique des combats là? Ça doit être toi parce que moi je l'ai pas, ouais. Mais je vois pas ce qui m'attaque au fait. C'est sûrement une fourmi au niveau du sol ou quoi. Exact. Merci bien. Généralement quand tu vois pas, c'est. Ouais, il y a un raptor droit devant là. Ouais, j'ai vu. Attends, je faisais le tour parce qu'il y avait des. Oh putain, il y a un raptor alpha les gars. Hein. Où ça? Pas loin de nous. Bah, mais vite. À côté du paracer là? Ouais. Ok. Vite barre-nous. Ouais, il faut se casser. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut attendre Kelma parce qu'il est en galère. Moi, je avec sais pas le où le vous êtes au fait. Hein. Tout, je vous ai perdu de vue, vous m'avez trop pas attendu. Bah attends, je. On est monté en fait sur la. De toute façon, moi j'ai un bronto, je peux couper par la forêt, bah les couilles. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ok, je crois que je vous vois. En fait, on ouais, est je vois. Ouais, voilà. Je vois, mais au fait, je passe vraiment par la forêt. Je me permets que j'ai un bronto qui peut défoncer les arbres okay. pour avancer. Donc on se sépare? Ouais, suis-moi, toi, okay. Tom. Nous, on va passer par là, c'est safe. Ok. Ah, là, si on tombe sur un alpha, on perd tous nos dinos, je pense. Même avec un T-Rex? Ouais, je pense. Putain. Enfin, ça dépend quel niveau. S'il est level 1, peut-être pas, mais bon. Le T-Rex, il est level combien? Laisse-moi regarder pour vous filer un coup de pression. Non, c'est bon. On est déjà tiré d'affaire, nous, là. Putain, il est vraiment tout près. Moi, je sais pas comment je vais faire pour passer. Bah, coupe direct la forêt, sinon. Je crois que... J'ai paumé l'ankylosa. Attends, j'y vais. Rentre, je m'en occupe, je vais le chercher. Putain, mais les fourmis, il faut qu'elles arrêtent d'aggro n'importe quoi comme ça. Hein. Ah putain, il se fait attaquer la balle en kilo par un dilo. Passe-le, attack target. Vas-y. Niveau 27, le. Oh là là. Le Raptor Alpha. Ah, là, c'est chaud. Ouais. C'est bon, Ben? Ouais, ouais, c'est bon. Tu vois, c'est pratique. Je l'ai sifflé à distance, je l'ai mis à attack target. Mmh. Et du coup, il s'est défendu tout seul, quoi. Du coup, les dilos ont pris vite très cher. Ce que je peux faire, c'est que je te confie le paracer, toi tu rentres mais tranquille en fait, à la maison. Ah, je te suis encore, putain. C'est pour ça qu'il bug. Et moi, je vais essayer d'escorter Kelma, non? Ouais, si tu veux. Bah, attends, je suis pas loin, moi. Je vais monter, là. Si... Putain, l'ankylo, qu'est-ce que tu fous? Allez, viens là. Je suis là. Ouh. Mais bon. Toi, je te le laisse là-haut, tu le prends. De toute façon, t'es arrivé à la maison, là. Ouais, c'est bon. Ouais, paracer, c'est pas chiant, ça fait tomber les arbres et tout. Ouais. Que l'ankylo est là, oui. Pro tip, c'est hyper pratique pour ramasser du touch, le grand singe. Ah bah oui. Ah, le grand singe. Je crois qu'il ramasse des baies aussi, non? Ouais. Ouais, mais quand tu punches... Là, j'ai punché un arbre, ça m'a donné 37... 37 touch. Ah, c'est bon, oui. Ça. Bon, du coup, j'essaie de te rattraper, Kelma. Donc là, t'es vraiment en pleine jungle. Hein. Ah ouais, là, je suis complètement dans la forêt. Ok. Je crois que j'arrive à l'endroit où il y avait notre ancienne base avant. Ah bah, moi j'y suis là. Où il y avait notre base. Ouais, voilà, je suis pas loin. Ok, je pensais pas que tu ferais le chemin aussi vite en fait. Ouais, avec un bronto. Hein.
fait bizarre de passer là où il y avait notre base. Ouais. Surtout maintenant que c'est vide comme ça, c'est ouf. Bah ouais, il y a des cailloux, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est ça? Un scorpion? Bon allez, tuons-le. Oh putain! Oh là là, je me fais attaquer par une horde de dilos! Y'a moyen que des curieux ils survivent pas! Oh putain, ça fait chier ça. Oh là là, et maintenant y'a des putains de libellules qui s'y mettent. Putain, heureusement que c'est fort hein, ce grand singe. Ouais. C'est bon, j'ai flingué tout le monde. Good job. Par contre, je suis bloqué dans Dédé Curieux maintenant. Très bien. Bon, moi, je suis quasi à la base. Je suis complètement bloqué. Comme le singe peut pas sauter, je vois pas bien comment je vais réussir. Bah, bon, à la limite, je vais essayer de venir avec un petit terrain. C'est bon, j'ai réussi. Non. Dommage qu'il ramasse pas le. Les matériaux quand il tape dessus, quand même. Ouais. T'es là, toi? Non, Kilo, il est où? Il est là, allez viens. Bon écoute, si on arrive à perdre que le stego, ça serait une bonne... Une bonne affaire, ouais. Une bonne affaire quand même, ouais. C'est bon. Pourquoi il bouge encore Don Quichotte là? Tu veux pas te poser? Ah, c'est bon. Attendez, je re dans 5 minutes. Ok, là je suis vraiment revenu à l'endroit où il y avait notre base. Ok. Ah oui, tout à fait. Je te vois de loin. Enfin, je vois le Bronto de loin plutôt. Bon, bah du coup, c'est sur cette arrivée magistrale et quasiment... Avec quasiment tous nos dinosaures survivants. Concrètement, le stégosaure femelle, on s'en foutait un petit peu. C'était surtout pour le dossier de Kelma. Merde. Oui. J'ai encore appuyé sur clic droit. Faut que j'arrête de faire ça. Vu qu'on avait déjà une stégo femelle à la maison, ça servait pas à grand chose, quoi qu'il arrive, d'en avoir une deuxième. Donc au final, c'était pas très grave de la perdre. Donc au final, on a un Bronto. Un Dodecurus, ouais. On a quoi d'autre? On a un ankylosaure, un grand singe, et je viens de me tuer, je crois. Non, tout va bien. J'ai failli mourir. Super... J'ai oublié aussi un le gros singe. Ah oui, c'est vrai, le gros tapir. La porte et tout quand t'arrives. Donc au final, un très gros... Deux gros épisodes de timing en fait entre les épisodes. Là, tu peux réceptionner des curieux, Ben? Ouais. Je vais m'occuper de l'autre. Donc tout ça c'est plutôt bien passé, le parc est ouvert. Bienvenue, cher Brontolard, dans ta nouvelle maison. Et il y a largement la place pour tout le monde en plus, c'est génial. Oui, ça c'est clair que. Hop! Bon, bah cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt tout le monde, salut à tous. Ciao. Ciao. Au final, je trouve que c'est la meilleure acquisition, le Bronto et le Grand Singe. Ouais, grave. Le Grand Singe, tu vas voir que ça va nous faire... Ça va nous moi, je kiffe déjà le Grand Singe. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Ouais. Tu m'étonnes. Par contre, il faut filer de la viande au dauphin, il prend pas dans la mangeoire, j'avais pas fait gaffe.